Jeudi à ce dimanche, c'est dimanche 26 mai 2024. C'est fête des mères dans le pays d'Haïti. En pile côté, tu as dû célébrer fête des mères. Et plus précisément, le nous te gen pays, jodi a te gen fête dans l'école, te gen ouais, fête dans l'école classique yo côté que moun yo a célébré fête des mères, tout ti moun habillé dans le temps, m pa capable pas oublier pas songer moment si la yo dans l'église tout, y a célébré fête des mères dans pays d'Haïti et pour sa pays d'Haïti a c'est jodi a li même lié bonne fête des mères à toute maman. Problème yo continue grave dans pays yo, jodi qui c'est 26 là jusqu'à maintenant pour qu'on ait une date précise côté que force multinationale qui a vinn aider pays d'Haïtien un bien pour qu'on ait une date pour lui, pas aucune date précise et pour déploiement force police Kenya dans pays d'Haïti. Même je noté prévoir ça, nous dit ou que dans plusieurs journaux dans pays Kenya et yo fait connait que dossier force là yo pas connait donc l'état Kenya peut que j'aime trop préciser excepté l'œil yo vini là Kai Biden donc yo dit force là vini pour capable vinn démanteler gang dans pays à mesdames et messieurs donc nous espérons que jounion date mais yo dit commencement juin est-ce que la passe là commencement juillet commencement août commencement septembre jusqu'à année prochaine rien pas que j'aime fait parce que problème yo dit qui cause force là pour qu'on vini en problème yo majeur. Dossier insécurité avec gang yo, c'est plus que ça que nous te pensé à mesdames et messieurs. C'est plus que ça nous te pensé à parce qu'en pile moun imagine gen insécurité, gen moun kap mouri. Oui, en pile moun pense ça, mais là ou pas gagner vraiment connaissance dans domaine non, ou ka pense son domaine qui complexe. Elle capable, il doit pas complexe. Ou qu'a pensé son bagage qui facile, elle doit pas facile. Je n'ai un expert cap expliquer aux gens dossier, c'est laisse au bras loin et c'est ça me prend le fort là. Matin hein, avec un expert cap bail comment détailler Jean situation lui-même lié dans pays d'Haïti. En pile gros question à poser après moun sa ou qui fin mourir dans pays hein, est-ce que organisation cap aider va continuer rester? Ça lui même son l'autre gros point un gros journal américain mettait le dehors après-midi à 3h n'a bien pour nous faire étalage sous ça donc programme Biden non problème en pile caisse disparaît et en pile mon a demandé côté question fait et nous pral causer bonjour bonsoir tout le monde comment nous y est moins espéré nous en forme si n'a regardé vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui en haut dans ciel là yon gros merci parce que lui fait un cadeau yon joue en plus non pas c'est MPH zanmi yore les MP ma belle Eleni MPP Vivi PP l'autre boule sucre moi pas fin konn ki non pour bon moi son plaisir pour me passer pour me fournir nos informations matin, mesdames et messieurs. Je nous saute d'ouli, donc si vous à peine venu m'encourager pour abonner très rapide, bouton qui marque subscribe en bas vidéo, cliquez sur lui, cloche notification, cliquez sur lui pour toujours recevoir notification à chaque fois que je monte en vidéo et partagez-le tout côté. Mais pouce qui garde en l'air, c'est lui même qui like là, lui en bas vidéo à maman. Donc cliquez sur pouce ça, guys, toujours, la gagne un like en bas vidéo, et spécialement jeudi dimanche là. On nous avance dans l'information matin. Selon tout détail, donc pays d'Haïti yo joué une possibilité pour yo gen 5 premiers ministres qui sous l'Islande et pour yo cap joué un premier ministre donc pour capable former gouvernement qui très important et c'est à partir de formation gouvernement ça nous gagnons donc Ariel Henry la retiré colle parce que jusqu'à maintenant ma parole là c'est Ariel Henry cap diriger pays. Nous devons connait ça clair. Jusqu'à maintenant, ma parole là, c'est Ariel Henry qui a dirigé le pays. Parce que l'éclair sous ça, l'été fait projet bien fait, l'été dit c'est l'égo gouvernement. Parce que déjà, qu'on technique là, l'a difficile pour faire un gouvernement. Il dit l'égo gouvernement, c'est l'égo à la prétire école. Donc, c'est lui qui a dirigé, mais c'est arrivé à 5 premiers ministres. Donc, il a continué à voter pour qu'il arrive à Ayon Green, premier ministre, mesdames et messieurs. En passant, si vous pas passé dans le tirage. Et tu veux pas assister à ce tirage là. N'a pas avancé oui, bien rapide. N'a pas avancé bien rapide. Dossier je ne te dis où, moi-même sous plateforme pas non, moi toujours dis nous que et avec force cap vini kousoti Kenya, en rien pour qu'au clair. En rien pour qu'au clair parce que dans jour ce passé là yo, nous gagne opposition dans pays Kenya qui dit pas gain bagaille comme ça. Et moi j'ai un bagaille très sérieux. Oui, William Ruto vini États-Unis. Oui, William Ruto parle avec Joe Biden. Oui, William Ruto dit la voix force vient craser gang.
Mais guys, si pas gagne yon entente qui fait dans Kenya, même si William Ruto déploie police en Haïti, après lui même la prend prison dans pays Kenya. Son bagay qui correct lié. Ruto gen pour le prendre prison comme un président qui viole la constitution pays. Parce que opposition dans Kenya yo opposé à ce que force et policiers yo vini en Haïti, toutes les conditions ne sont pas réunies selon yo même. Dans condition ça, yo ka déployer parce que yo offre yo en pile l'argent et ti nèg noue remè l'argent, donc yo ka toujours déployer. Yo offre yo 16 hélicoptères blindés, yo ka toujours déployer. Yo offre en pile machine blindée, yo ka toujours déployer. Yo li men 1000 baleines pour yo dans pays États-Unis, yo ka toujours déployer. OK? Dans réception te gen 1000 baleines qui étaient là, qui étaient li men. Non, 1000 policiers qui viennent en Haïti. Moi, pile gros tour a fait ce dossier ça, mais force l'entrée de venir le 23. Le 23, en tant que père de famille, même son homme responsable. Bon, pour un exemple. Moi, j'ai un voyage pour me faire dans l'été qui vient. OK? Nous, dans le mois de mai, déjà connais côté de moi descendre. Je connais côté de aller. Je connais à qui les avions a quitté l'aéroport là. Je connais qui les avions a retourné. Mais, c'est pas qui logique. Mais c'est en été, oui. Je connais qui les bralé, je connais qui les a retourné. So, je connais tout ça, je bral fait les mrivés. Côté bralé, ya. Ça veut dire, je connais qui arrangement, je dois faire d'abord. Ça veut dire, IBM fait déjà. Airbnb, côté bral descend dans l'île là déjà. Etc. Et machine m'a roulé les mauvais côté à l'île déjà. Est-ce que nous sommes clairs? Ça veut dire, c'est pas non, je m'a levé là, me dit, oh oui, me parle encore, et arrangement, yo pas de gueton fait. Li pas possible, ça paraît irresponsable. Côté ça ne va pas dire. Li pas responsable, pas de sens de responsabilité. Si que gon force qui ta, yon force qui a déployé le 23 mai, pas arrivé déployé, parce que yon dit, gen bagay qui pot kola. Mais c'est pas hier qu'on a des bagages qui peuvent coller. Le 22, dans le journal sorti, bagage pas fait encore. C'est un coup où vous le mari, vous arrivez à l'église là, où l'on jette droit tout comme ça, et puis vous attendez le monsieur marié vini pour mettre droit, vous donnez mes bagues, monsieur marié pas vini. C'est comme ça lié, c'est irresponsable. Donc, monsieur pas vini, qui te doit venir 23 mai, et puis, yo poko, m'ba konne si gen ap moun ki te zouli, mais moi, m'ba se m'se nan premier moun ki te zouli, que yo pas vini encore. Et yon pa vini encore. Et yon pa vini, hein. Et poko gen dat yap vini. Poko gen dat yap vini, c'est nan yon même. Mais yon bloke tout nan pays Kenya, constitution bloke yon. Constitution bloke yon, c'est avec force majeure, président a fait déploiement pour contre lui. Et à partir de là, moi dis, li pral répondre question la justice nan pays Kenya. Ok? C'est parce que c'est autre coup de justice nan pays yon qui bloque déploiement. Très important. Très important. Donc, c'est comme ça dossier. L'autre problème qui gagne, avant que je passe dans le domaine haïtien, nous gagnons, mes amis, moi regarder là sur TikTok et sur telle vidéo ça, moi j'ai plusieurs moun qui ont écrit et qui ont dit même bagay là, que yo gen sponsor yo qui écrit yo. Moi j'ai un ami là qui écrit moi, li fait me connaît, et ben moi relè sponsor, li dit que cela disparaît et que chouaké toujours a voyé message. Bam! OK, donc là ce sont des messages qui viennent joindre moi, c'est plusieurs monde qui a écrit sur différentes plateformes yo qui dit que qu'est-ce yo a disparaît. OK, donc ça demande pour relel les difficultés parce que question disparaît dans US CIS. Donc d'après tout détail et information nous gagnons, mais et pas de problème ça dans US CIS, pas aucune caisse li retirer. Normalement, il n'y a pas qu'à disparaître que cela. Il y a un dossier, il y a un système déjà. Même si vous n'avez pas approuvé, que cela a toujours été dans l'histoire. Comme un qu'est-ce qui n'a pas approuvé. Ça veut dire que c'est comme un qu'est-ce qui close. Mais, pas qu'un qu'est-ce qui a disparaître. Sous temps de qu'est-ce disparaître, il y a un crash, il y a un problème dans le système. Non? Mais automatiquement, il doit reparaître encore. De m'apprendre tout le monde, tout sponsor qui a fait tête chaud,
qui dit qu'est-ce disparaît, yo pa wè qu'est-ce. Prends patience, ou pa gen aucun qu'est-ce qui disparaît vraiment, ou même ou pa wèl, mais USCIS doit résoudre problème ni et puis pour nous wèl monter parce que yo poko ba aucune note officielle qui a un problème comme ça. Et même les autres étrangers, yo poko parler sous dossier ya. Yo poko parler sous dossier. Donc ce sont les informaticiens, les techniciens en informatique qui réalisent yes là gon problème dans système dans comme ça ou gen droit pa wè kes la, mais après tout bagay fin résoudre ou pral wè kes soit. OK? Donc that's why que l'autre application yo même qui ancré qui synchronisé ak USCIS, yo continue à voir notification by moun ki nan système nan parce que yo konnen que bagala li même li la. Donc patience, tout bagay doit all white. Alright, tout bagay doit all white. Donc bon Dieu te mette dans programme ça et moi quoi, c'est pas une bataille nous ka mener, bataille pays d'Haïtien, tande sa belle maman, c'est pour une bataille nous ka mener seul. Nous ka mener l'ensemble. Mais nous yo vinn tellement diviser nous le difficile. Et c'est ça qui fait Haïti mal pour le délivrer. Yo tellement diviser nous, yo tellement diviser nous guys. Et nous mal pour nous résoudre problème nous. Et ça qu'il faut croire, des grands avocats, des grands hommes de loi, des grands politiciens, ils ont finalement coupé en bas conseil cette tête là. Parce que c'est ça américain dit. Et là, c'est américain qui dit un bagaille pour contrecarrer à qui courage. Dans cas ça, ils ont coupé. Mais guys, l'éclair sur ça, pas de solution, si programme sont là dedans. C'est approuvé lié. N'a pas avancé avec information nous mesdames et messieurs, dossier insécurité dans le pays d'Haïti. En pile question à continuer poser les grands journaux internationaux pita, on capable faire ouais si Dieu veut. Eh bien, il a posé question jodia, est-ce que eh bien organisation qui bail aidio doit continuer rester en Haïti. Pas oublier que organisation qui bail aidio, il y a travail. Donc il y a travail dans le pays yo. C'est comme ça qu'ils créent le travail par eux-mêmes, pendant qu'ils ont baou et puis eux-mêmes tout, ils continuent à jouer une activité. Mais l'autre bagaille qui a un feeling qui vient dans le pays d'Haïti, si vous arrêtez Haïti et l'objectif c'est vivre bonheur, vous finissez de vivre. C'est un petit paradis. Donc, si vous avez un qui a une vision fait en pile gros corps, en pile l'argent, etc. Entre temps, guys, moi conseille nous si ou tout son moun qui gen dominant, qui gen faiblesse, et ou ka pran ti produit ça, li bon en pile, lor gen dormi faiblesse, toujours ne fatigue nan kwa ou pran ti bagay. Donc moi-même, chaque matin, m'oblige pran yon, pran plisye ti bagay. M'oblige pran parce que yon naturel, ça c'est pas produit chimique, c'est pas qui naturel, kapè d'eau pour capable kimbe énergie à tight. Ok? Kimbe énergie à tight. Donc on 50 on $60 ou capable investir dans quoi donc ou gon boîte énergie là ka ou chaque matin prend. Donc complication dossier yo là que nous-mêmes nous di ou pas gain réchappe là que nous-mêmes nous di ou pas gain espoir li dur. That's why que bataille États-Unis ou pas ka mener pour quoi ou pas ka mener bataille internationale là. Tout nèg a bay vague ou même prend ti programme ou plier le met en bas bra ou gen pile moun ki di an ka goumen yo tellement divisé nous le difficile qu'on y a nous obligé font gens chaque grand moun k'ap sauver tête yo jusqu'à ce que gen 100 moun ki met ensemble ki di monsieur on prend conscience on sauver pays a mais le corps de gens côté ou a manger ou a boire a fort bon pas nan problème a faire pays on ti gens pas gado. Hein, li pa gade nèg yo et ça fait Haïti toujours côté li a. Et donc ça fait me déclarer vle pa vle que bon Dieu faut approuver. Et puis laisse ça gen pour le fait là la fête. Parce que ça ka passe Haïti a grave. On prend exemple papa Guiwe qui mouri avant hier. Papa le mouri et l'obligé li même son veille symbolique li fait sur internet là. Parce que li pa capable présenter nan enterrement papa en Haïti. Ou imagine on a ki profonde insécurité a grave là. Li grave pendant que maman ou fin passe misère éduqué ou papa ou fin passe misère met au l'école, investi tout ça gen nan ou jodi al mouri ou pa ka nan enterrement.
Et nous, yon qui pa gen parent nou avec nous côté nié dans pays nié an, pap kale nan tèman parent nou. S'il mouri jodi an, malgré tout misèl pa sa koua, jodi an ou pa kale, parce que s'il nan nor, pa gen kote pou traverser, s'il nan sud, pa gen kote pou traverser, avant yè pa même gen avion nan Port-au-Prince, sorry, ça veut dire pa gen possibilité. Et même si traverser arrive à Port-au-Prince, l'arrivé dans la ville côté la vie porte toujours en danger. Donc, ou pas fin ouais, comment on peut mettre vous en danger pour aller l'enterrement parent. Et même parent qui travaille aujourd'hui, il travaille pour grand merci parce que dans l'enterrement, il n'y a pas qu'à jouer un petit garçon dans tes cercueils. C'est triste. That's why que la demande un jour pour nous mettre tête ensemble, pour nous goûter, pour nous prendre une bac dans tout le monde. Guys, tout le monde, parler. Et selon l'histoire, nous est force multinationale yo, là yo vini en Haïti, yo pas fait grande chose. Yo pas porté changement. Nous jouons plusieurs 1915, 91, 94, 2006. Donc nous ouais pas gagné. Une sorte là elle fait 13 ans 2004 pour arriver jusqu'à 2017. Nous elle pas fait aucun changement. Au contraire pays a vinn pi mal. C'est pas moi-même qui dis, même journal international, yo m'ta partagé avant hier, ou te jeune New York Times l'a montré nos histoires là que nous pas gain chance ak gens de mission ça. Donc ça selon l'histoire. Mais quand expert yo expose mission pour dire pas dit pas venir mais pas ba résultat. Donc espoir pays d'Haïti bagaille yo grave en pile, bagaille yo grave. Mauvaise nouvelle yo tout côté. Que ça disparaît, mauvaise nouvelle, pire. Oui, l'argent a dépassé dans la mission, mais la mission vinil pas réussi. Bagayo grave tout côté. Absolument tout côté. Et moi-même, prends temps pour me donner expert ça. Dans le domaine sécurité, oui, gede ba elle a dit, ou te getan imaginé, ou te getan pensé, mais on va pas étudier le domaine. Nan. Là, nous venons, guys, gon bagay qui ka fon bagay pour Haïti, c'est la prière. Nous prenons le temps de ça, expert Abdian, et ou même moi, Dim, nan qui ça ici prend là. Monsieur ta femme comprenne que gang yo, ne yo pas sot. Yo pas stupide. Yo pas fanyé stupide. Et tout ça yo fait la mesure. Yo kon kote yo sorti, et yo kon kote yo brale. Gang yo pas fait bagay kap mette yo nan trouble. Gang yo kon ki la pou yo attaque. Et ou pral ouè matin là, tout ça ne yo fait nan pays à mesure. Ça veut dire. Nèg yo gen des moun en bas qui très éduqué cap formé yo cap ba yo stratégie. Ça veut dire un porte là c'est pas ton bagage simple nèg yo te bloqué. Le nèg yo tande yo bloqué bon parler pour bagage simple. Ça veut dire guys c'est vraiment compliqué. Et me dit ce qu'on ça va yo grave. Bagage yo grave. Donc ti 1000 moun cap vini yo me dit non le pas compte. M'pa dit non le pas compte. On pas expert non en sécurité mais on pas stupide tout si 1000 moun k'ap vini par contre ça veut dire même si on t'abonne 10 000 policiers par contre si tout pays met ensemble bon 10 000 policiers style pas compte 10 000 policiers ka utiliser dans Port-au-Prince mais faut ta gen 10 000 Port-au-Prince 10 000 dans la Tibonite spécialement 10 000 dans le sud du pays et puis 10 000 dans le nord. Ak le fota gon 40 000, 10 000 policiers dans chaque département qui vin mélanger 10 000 étrangers. Mais à qui l'argent pour faire bagay ça? Ça veut dire le problème d'Haïti, son problème pour nous résoudre avec conscience. En tant que comment expert là, l'étape détail là, pendant que vous avez un like en bas vidéo ça. Merci de disponibilité. Bonjour Monsieur Théodore et bonjour à tous fidèles auditeurs et téléspectateurs, téléspectatrices et de Radio et Télémétropole et spécialement émission Le Point. Première question que je vais me poser en tant que spécialiste, côté nous y est là, je dis en termes de sécurité, est-ce que vous prévoyez que nous arrivions là? Est-ce que vous pensez que démarche cap fait jodi en là pour étranger à vinn nou coûte main est-ce que c'était nécessaire question gain deux volets très bien bon est-ce que m'te prévoir en privé là bien sûr
parce que moi je voulais dire rapidement que situation nous là dans là son résultat c'est que c'est on cumule de choses qui mènent nous là et moi surtout je me dis que nous pas gain insécurité en Haïti c'est que insécurité son bagage normal ça veut dire l'insécurité est naturelle dans tout système et dans tout état il y a insécurité parce que on va joindre des monde qui résister et à toute contrainte qui a essayé et contourner justement par contre problème que nous avons en Haïti hein, c'est un problème d'effondrement de l'état c'est-à-dire que insécurité ça qui sont bagages naturels parce que l'état de nature tel que et des théoriciens comme Thomas Hobbes décrit c'est que être humain de manière générale est violent c'est que c'est contrainte qui fait lui rentrer dans les rangs qui fait que lui comporte très bien donc maintenant une fois que ou non situation côté que l'état effondré c'est-à-dire système de contrainte diminué donc on a besoin de plus de violence c'est normal mm-hmm. donc c'est dans ça nous est là c'est que nous mm-hmm. non situation où l'état lui perdu monopole de violence légitime alors bon ça doit dire ça n'a vivra pas insécurité au moins lui criminalité ou bien lui banditisme tout simplement non banditisme criminalité ce sont des éléments de l'insécurité c'est-à-dire ou a besoin d'insécurité à des monde qui a tenté prendre faire monde des vols ou a besoin des monde qui veulent faire des règlements de compte et qui pral faire des crimes mais en même temps tout ou a besoin et on doit dire des organisations et qui pral commencer prendre des dispositions pour bénéficier de système d'insécurité et c'est là nous pral peut-être aborder des points ça c'est que problème là j'aime dire là son problème d'effondrement de l'état parce que qui ça que l'état c'est on gain et même et théoriciens qui définissent comme étant une entreprise politique et ça fait par exemple on peut dire que il gain certains monopoles que il gagne le terme monopole là son terme surtout utilisé en économie c'est que par exemple le monopole de la violence donc il appartient à l'état aujourd'hui qui ça n'a vivre là c'est que groupe nous les bandits ou bien gang en réalité ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole et de la violence de l'état parce que eux même tout c'est des entrepreneurs de violence c'est-à-dire ils ont une capacité pour yo faire violence et yo contester monopole de l'état donc la preuve c'est que ils ont occupé des territoires, et en dans territoire que ils occupaient, ils ont gagné en disposition que ils mettaient pour gérer. N'espérez seulement que n'ego pas tendre parce que si attendre ou n'ego pas dit que tu préfères être non ça parce que c'est le plus bel entrepreneur de violence. Non mais vous comprenez. En réalité. En opposition et. Non, c'est même pas. C'est que la définition c'est que terme entrepreneur de violence, non, c'est pas moi qui inventé. Par exemple, il y a professeur Bertrand Badi qui parlait par exemple pour tout groupe terroriste qui dans Sahel groupe et parce que ça relait les groupes armés non étatiques par exemple et jodi hein sur le plan international gagne des groupes armés qui pas des états mais qui aussi puissant et même plus puissant que des états donc à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen c'est des groupes armés non étatiques qui gagne capacité pour si nous garder toute sa capacité sur le plan international qui mettait en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a une motivation qui est capable idéologique ou bien doctrinale ou bien je ne sais pas tout, mais c'est pas là qu'il y a plagué bombes ou mon bolakayo, mon bon sans raison, c'est pas la même. En réalité, toujours une motivation dans toute bagaille. M'pas penser et si monsieur nous gagne là, il y a pas de motivation. Il y a une motivation, naturellement, nous doit peut-être pas identifier motivation, ou bien tout motivation, il doit paraître pour nous et absurde, mais il y a une motivation. La première chose, c'est que ça nous doit comprendre, c'est que il y a système que nous gagne là comme État. Je voulais retourner sous effondrement de l'État. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous faisons 11 siècles. Avec des malentendus historiques que nous pas bien temps et développer la matin hein, qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondrer en 1915 qui va le bailler et l'occupation américaine. T'es une situation pas exactement même genre, mais pour certains monde, par exemple les Kakos qui venaient du nord
Leur arrivée Port-au-Prince, ils ont tellement fait des gars. Pour certains monde Port-au-Prince, Kako, c'était bandit, c'était le, presque équivalent de San Gela, je veux dire, dans la tête. Même si, ce n'est pas la même situation. Mais même des motivations politiques. Non, bien sûr. Mais dans la violence qu'ils exerçaient, donc, les gens qui sont victimes de violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est qu'il doit être victime. C'est ça, pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il doit regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis, hein, là. Donc maintenant, on moun ki gen... Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer moun ba zao? Absolument. Non. À peu près même bagay. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple, dans la guerre mondiale, et les soldats yo fin libéré en zone, yo violer moun, comme si... Parce que violence, nan, li, j'aime dire, la violence est naturelle. Viol la traduit en sorte de supériorité, en sorte de... Il y a plusieurs raisons qui amènent à ça. Bien doit c'est des tendances pour moun yo assouvi comme si m'dado des fantasmes etc. Donc ça veut dire la violence j'aime dire l'inaturel c'est que c'est éducation c'est le barrière qui discipline et c'est contrainte sociale qui fait comme si m'dado tout le monde rentre dans les rangs nous comporter nous mieux que d'autres donc c'est ça lié. Donc ça veut dire qu'il y a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici. Pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. on ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus et l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, il faut qu'on gagne... Non, assez n'est pas... Justement, faut, et en plus... Et c'est pour professeur Yves Dorestal qui te remet dit ça, il dit en matière intellectuelle, on ne va pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut que vous fassiez et vous êtes sous sentiment pour nous garder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles, ça y est là, déterminants sociaux, ça y est là, n'a pas gagné même résultat ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagné ça y est le dilemme stratégique. Comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face. C'est que un État, par définition, il existait en opposition à d'autres États. C'est que voisins sous coteau là, ils sont potentiels adversaires, sont potentiels ennemis. Donc, vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toute possibilité ça. Or, dans le temps, l'État c'était pratiquement le seul objet de comme c'est le science qui est les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais je dis, hein, nous venons gagner, nous sommes parlé de acteurs armés non étatiques. Nous sommes capables de parler des groupes multinationales. Il y a d'autres acteurs qui rentrent dans le panorama et aux relations internationales. Là. Donc ça veut dire, le on état dans la vision stratégique li, à préparer la sécurité, en plus que l'on a pour garder les voisins qui sont côté lui, mais en même temps, il faut regarder qui phénomène qui gagne dans le monde, dans la zone côté la évolue, qui est capable de gagner répercussions sur lui. Par exemple, là, nous apprenons une décision, nous. C'est qu'il faut nous dire, nous, mais c'est vrai, ok, nous avons Saint-Domingue tout près de nous, donc nous ne pouvons pas développer une relation belliqueuse avec Saint-Domingue pour nous faire la guerre avec. Ok, mais ce n'est pas seule menace qui gagne. Ça veut dire qu'il y a des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes ont cherché justement des états faibles pour les faire, pour intégrer, pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport de l'Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic. Mais pour trafic, ça au fait, il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc ça veut dire. Donc ces côtés, je ne fais pas aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous n'avons pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous avons là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie interne, parce que société hein, en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, accompagné de l'augmentation de l'entropie. Qui c'est niveau de désordre
qui cap gagner dans société. Donc si pas grand qu'une disposition qui prend, c'est que problème a augmenté et parallèlement moyen pour résoudre problème a diminué. Donc c'est normal pour nous gagner ça nous gagne là jeudi. Alors on t'a vraiment comprendre ça. Est-ce que Jean Monsieur nous yo t'es commencé à agir et y a agi qu'on est là. Par exemple, colonel Rebu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée que qu'on a mené, par exemple, là il y a fait plusieurs attaques simultanées. Est-ce que ça pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait taguer des monsieur Yo des Muntaku qui connaît ça y a fait. Ok. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, et ils se sont montrés certaines fois très compétents dans ça y a fait. Malgré c'est l'effet nous dit dans la société là, mais dans Jean Yo agi, j'en parlais de colonel Rebu, t'es parlé de stratégie d'encerclement. Donc ça Noël, c'est que premier bas, ils ont essayé fait, ils cherchaient gagnant ça et ont continuité territoriale. Ça veut dire pour raccorder toute base yon à l'autre. C'est-à-dire pour avoir une possibilité pour déplacer de un point à l'autre sans que yon pas traverser un territoire que yon pas contrôlé. C'est-à-dire yon une continuité territoriale. Pour ça, yon utilisé la baie de Port-au-Prince qui permet de faire mouvement ça et gagner de l'autre route en montagne qui permet de. Donc, à n'importe quel moment, yon arrive en côté et puis, donc, tout le monde saisit yon là. Donc, ça veut dire yon défini des couloirs pour avancer qui bâillent une sorte de continuité territoriale. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps, en face, pas gagné qui disposition stratégique cap prend. C'est que et moi estimé à chaque fois comme si nous minimiser problème non, en pensant que bon oui ce sont et des bandits et yon n'a bagay nous fait tout qui peut-être pas joue en faveur nous c'est que on désigne un coupable. Ok, finalement, c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, etc. Et que, ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement. Donc, nous allons dans la simplicité. C'est que nous disons. Et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement, donc, on attend que le gouvernement ne soit pas là pour le problème qu'on résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder, et en plus, le bon adversaire en face où. Faut qu'on analyse le froidement, sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on a traité ou traité avec comme un adversaire. C'est-à-dire, ok, voilà, mais qui ça l'a fait pour ne pas perdre lucidité. Parce que dès pour tomber dans le jugement, dans les bandits, ok, bien sûr, mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire, ok. Mais qui ça m'a gagné en face moi, mais qui ça a gagné comme stratégie, donc comment m'a répondre? Et qui ça fait y arriver là, etc. Il faut qu'on sonde des problèmes. Mais ça fait, moi surtout, je voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que la réflexion stratégique, là, qui ça lié, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais une lecture appropriée du futur. Parce qu'il faut nous dire, nous, comment nous faire arriver là? Et là, nous finissons dit comment nous faire arriver là, qu'on a, nous répondons à une question ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sorti? Comment on a sorti là? Et là, nous finissons d'établir qui j'en a sorti là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là? Donc, c'est ça la réflexion stratégique. C'est cette profondeur pour aller et du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dis-nous que. Il y a une possibilité pour nous sortir là. Mais en même temps, tout dit-nous que, excusez-moi si je m'anticipe, tout dit-nous que, puis quoi c'est blindé, c'est étranger qui vient là, et que c'est eux qui viennent résoudre le problème pour nous. Est-ce que je bien lis, penser? Est-ce que c'est ça, vous voulez dire? Rapidement, oui, étranger qui pas résoudre le problème, non, ça c'est clair. Maintenant, pour nous temporiser, pour ne pas dire que, bon, il pas la peine que Kenya vienne, etc. Non. Moi-même, mais quoi que, lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou qu'on a une situation où besoin coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir problème ou gagner, ou comprendre problème là, qu'on a l'air demandé coup de main pour dire mais qui ça me voulait. Parce que
nous. Bon, premier ministre Ariel Henry te dit ça nous voulait un coup de main robuste, on va comme ça me songe te dit. Bon, pas mal faire des commentaires sur déclaration politique et que premier ministre a été fait, mais moi-même le demander qui ça nous voulait, ça veut dire que bon, un coup de main robuste, il n'y a pas détaillé rien. Bien sûr, et normalement l'organe est en situation, j'aime dire là c'est que en fond on rappelle historique rapide. En 94 nous avons un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là, il était juste gagné des difficultés entre eux. L'armée était fait un coup d'État. Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. Il était gagné un jugement. Et même le coup d'État à 91 ans, le général Cédras n'a pas pris le pouvoir à titre personnel. C'était juge qu'il était pris pour être arrêté plus ou moins dans la Constitution. Ça veut dire nous étions dans une situation institutionnelle normale. Malgré tout, il y avait eu environ 22 000 et hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour te venir faire ça le retour à l'ordre constitutionnel. Mm-hmm. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que. Et là, ça n'a pas de gain gravité. Non, mais bien sûr, nous avons une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, que. Il a vinn imposer en situation que yo pas de vouloir parce que c'est au que fait coup d'état s'il a pour retourner président c'est que maintenant les Américains ont pris les dispositions pour six au cas maintenant tu gagne des négociations qui faites qui permettent que bon gagne une entente qui joigne yo et militaire yo cédé et pouvoir là mais malgré tout yo vinn avec plus de 20 000 hommes et malgré 20 000 hommes alors que là ça nous était à moins de 10 000 hommes hein, pour l'armée environ 7 000 hommes donc moins de 10 000 justement donc quand il y a là le nous en 94 malgré tout ils ont venu nous envoyer l'armée nous n'avons rien fait pour consolider les acquis c'est-à-dire et nous étions petits gens un peu dans le sentiment dans le sens que bon l'armée t'es fait nous tort. Donc, nous craser l'armée, donc nous pas voulu tendre parler de bail comme ça encore du tout. Même la police que nous créons, nous décidons de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée. Parce que nous étions comme Simdado et. Dans l'émotion. Dans l'émotion. Mm-hmm. Mais sans nous parler, nous compte que mais nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux, peu importe qui ont appris les corps de défense et de sécurité, qui ont appris les polices, qui ont appris les gendarmes, qui ont appris les gardes nationaux, qui ont appris l'armée, mais il faut qu'ils gagnent des moyens pour le faire face à un problème. Ça. Alors, on connaît ceux qui font un rappel pour nous. Ils disent que c'est 25 000 hommes. Je ne sais pas de tout ça, non? Bon, naturellement, je n'ai pas de chiffre exact là, mais je connais qu'ils ont dépassé 20 000 hommes. Yeah. Donc, il y a des gens qui disent 25, en général, ils disent 22, mais c'était un chiffre qui t'est dépassé 20 000 hommes. Bah, à moins que c'est techniquement, c'est comme ça. Ça fait pas, j'aime dire, qui quantité n'est pas qui vient de. Non, généralement, c'est des chiffres connus. C'est bon, c'est quand même 1994, donc il y a 25 000 hommes qui avancent, je ne pas contester, parce que je pas de bon chiffre exact, c'est que je connais plus que 20 000 hommes. Mm-hmm. Oui. Maintenant, et pour nous retourner, c'est que force américaine, yo, se déplace à des forces onusiennes de la MINUA qui, jusqu'à mi-civi, quittent le pays aux alentours de fin année 99. Et puis, quelques temps après, nous vînons dans problème encore. Quatre ans plus tard, en 2004, des forces internationales obligées de retourner. Et malgré tout, nous pouvons arriver dans la situation qui est là. Nous avons gagné 9 000 hommes MINUSTA qui étaient là, avec les Brésiliens qui étaient en majorité, Jordaniens, etc. Chilien. Et maintenant, le nous sorti dans ça, le ministre a fait 13 ans, si je ne m'abuse, il est allé en 2017. 7 ans plus tard, nous obligés à gagner des forces qui ont retourné encore. Donc, il y a un problème. Mm-hmm. Si sous 30 ans, nous avons 3 interventions qui sont obligées faites, et à chaque fois, intervention a fait, le problème devient plus grave. Donc, ça veut dire, le problème n'est pas de l'autre côté. Ou bien, ce n'est pas la solution. Justement. Mm-hmm. Donc, pour moi, et force Kenyan a venu, déjà, je trouve qu'il y a un petit nombre par rapport à chiffre que nous avons dit avant là. Mm-hmm.
entre 22 000 et 25 000, qui n'est pas réduit par, avec les Nations Unies, qui n'est pas le moindre. Justement. Et puis en 2004, on a gagné entre 8 000 et 9 000 UNPOL, des policiers et des militaires. Justement. Maintenant qu'on est là, nous aux alentours de 2500 à 3 000. Oui. Pour une situation qui est plus grave. Naturellement. Par contre, concept et d'opération qui j'ai eu à mener et opération, donc je ne vais pas l'aventurer sur ça. Mais la seule chose, c'est que l'organe des situations qui vient là, lit son situation qui va le demander, qui va le consommer en pile troupe. Ça nous est là. Oui, pour plusieurs raisons. C'est que je ne sais pas si c'est un hasard ou bien si c'est une coïncidence ou bien si c'est un mouvement tactique. Et que si M. Azamio fait, c'est que attaque sous Ari Hachan Masla, matin, comme tu as parlé de la Cour supérieure des comptes, et attaque sous aéroport, son manœuvre qui visait à fixer et des troupes. Parce que si on a des infrastructures stratégiques qui menaçaient, donc on est obligé de défendre. Et déjà, depuis la mission en tes premiers palais, c'est que Younabagay Kenya te souhaité faire, c'était justement venir prendre position aux alentours des infrastructures stratégiques et libérer la police pour des autres tâches. Donc maintenant, avec situation ça, donc ça a renforcé. C'est que maintenant, nous devons rester dans l'aéroport, parce que l'aéroport est menacé, il faut voler, reprendre, etc. Donc à ce moment, pour nous protéger et l'aéroport et base nous qui est située dans le voisinage de l'aéroport, ça va le consommer et des centaines d'hommes. C'est-à-dire qu'ils pourraient être stationnés sans compter les rotations. Maintenant, le conseil présidentiel veut travailler au palais national parce que c'est un conseil présidentiel. Donc, s'il pour travailler au palais national, l'air du champ de masse doit être sécurisé. Et pour un grand espace qui a une menace aussi grave sous lui comme ça, il va le consommer encore des centaines d'hommes. Donc, ce sont des hommes qui ne seront pas ailleurs. Ça veut dire, si vous êtes à l'aéroport et au champ de Mars, vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, et c'est quelqu'un d'autre qui est ailleurs. Donc ça veut dire que son stratégie liée de la part des bandits pour prendre des décisions qui fait que... Je ne sais pas qu'on ait si son stratégie, parce que... Mais c'est le constat que moi fait. C'est que... Bon, on a dit, c'est le constat que nous fait. Parce que... Ils ont manœuvré sur l'air du champ de Mars, ils ont manœuvré autour de l'aéroport. Donc, ils ont créé une situation de menace qui n'a pas existé. Pendant tout le temps qu'on a vécu dans le pays, il n'y a pas jamais de menace qui était pesée sur l'aéroport là, malgré toutes les difficultés qu'on a eues. Donc, avec. Maintenant, oublié de parler des différents poches de bandits. Non, pas oublier pas les deux, yo même c'est des données de l'équation parce que ça yo même nous tout connaît yo là donc il y a des zones de non droit ou bien il y aurait les territoires perdus etc. Mais ça yo c'est des données de l'équation. Ça veut dire ça yo était déjà là déjà. Ça nouveau dans bagay là c'est l'ère du champ de Mars et l'aéroport international. Non, ça c'est en termes de décision que nèg yo prend kouni là pour concentrer des troupes en façon pour eux-mêmes peut-être capable il y a plus marge de manœuvre. Alors Sam Abdoula moi-même m'a parlé de poche de bandits, hein. M'a parlé de à l'époque pas de Matissan, oui. Pas de Mariani, jodi en c'est Gressier ou pas de Gressier, jodi en tout ou c'est Canard qui bat là avant. C'est clair. Donc, et jodi à tout c'est la Thibonite. Oui, toutes les routes nationales pratiquement sont occupées. Oui, oui. Donc, et vous pensez que ça, son cerveau qui a travaillé pour monsieur... Moi-même, en tout cas, je ne connais pas, parce que... Mais celle qui a dit, c'est que même si c'est dans le mal, il a montré qu'il n'est pas stupide. Ça veut dire qu'il y a une cohérence dans ce qu'il a fait. Je ne connais pas si c'est eux-mêmes entre eux qui gagnent capacité ça, ou bien si ils ont piloté et pas de l'autre monde, mais il a montré nous que c'est vrai, c'est mal y a fait, mais ils sont pas stupides. C'est que ils prennent des décisions qui sont cohérentes. C'est-à-dire contrôler les routes nationales et où est gagner en logique. Ils contrôlent les routes nationales yo, et gagnent des points de contrôle et les plus établis points de contrôle ils gagnent des combats violents. Donc
et dans certains points, yo, par exemple sur la Tibonite, et dans la route entre Bassin Bleu et Goumone Bassin Bleu, hein, c'est que tu es tout le temps gagné des kidnappings qui ont fait là. Vin rivon le machine pas passer. Parce que finalement, chaque machine passe et yo prend yo. Maintenant, il y a des chauffeurs qui ont une situation côté que bon, ces deux routes là, ils vivent. Donc, on ne pas prendre route là encore parce que y a kidnappé. Donc, chauffeurs, eux même, ils ont initié propre initiative parce que l'État est pas puissant. Capable. Donc, ils ont discuté à monsieur. Yo, qui, donc, ils ont même discuté et ils ont établi maintenant un péage qui permet de. Ils ont accepté que bandits ont une chef, ils ont une contribution. C'est exactement la contestation du monopole de l'État. C'est que. Maintenant, nous avons une situation de libre concurrence. C'est que si M. Azamio a une capacité dans certaines zones pour contester l'État, il met l'État dehors et il prend le contrôle de la situation et il deal avec la population. Et, dans un, et plus ça a continué dans le temps, plus comme si Libéral vit en normalité pour certains mondes. Parce que finalement, s'il continue à faire trafic, les mondes passés, qu'on n'a pas gagné kidnapping, ni JSP, etc. Mais c'est, donc finalement, il fait office. Et justement. Et là, donc, lors d'une situation comme ça, l'État perd du monopole là. Donc, une fois que l'État perd du monopole, il pas l'État encore. Et moi, m'a tout profité font et on s'y approche sur émission vendredi, on a gagné deux jeunes dames qui étaient intervenues. Et moi, comprendre toute émotion, yo, parce que quand même, nous tout ça, on a vivre là. Mais en même temps, je ne pas nous dans l'émotion, nous, parce que comme si il y a des contingents graves du genre que pas un innocent dans la zone Sahel, etc. Et que bon, finalement, ils doivent aussi payer le prix. Pour, mais d'un autre point de vue, nous sommes capables de dire tout. Si nous avons pour nous fâcher, c'est contre l'État pour nous fâcher. Parce que c'est l'État qui a une responsabilité. Bon, je crois aussi que cette parole venait de la bouche de. D'une personne qui a été traumatisée. Non, mais bien aussi. Sûr, non. Moi, je ne peux pas accuser. Moi, je comprends très bien. Et non, alors ça, c'est l'information que je viens après. Modèle émotion, ça, il est nécessaire. Il est nécessaire. Naturellement. Comme si l'on a une émotion comme ça, il transmet un message pour lui dire, non, on doit faire quelque chose. Mais moi-même, pour lui, pour l'émotion, ça, c'est normal. Et c'est même bénéfique pour la société. Que au moins, il y a des gens qui sont indignés. Par contre, Mais pas même un dîner qui révolte. Justement, mais par contre, les décideurs, ils n'ont pas qu'à dans l'émotion. Les analystes, ils n'ont pas qu'à dans l'émotion. Ils sont obligés dans la froideur. Comme si c'est peut-être dur. Tête frette. Oui, c'est peut-être dur à dire, mais des fois, même si l'émotion, il faut être dans la froideur pour comprendre la situation et puis pour comprendre qui j'en pour aborder. Et c'est ça que je pensais qui manquait un peu, c'est la. Réflexion stratégique. Ça veut dire, faut nous, mais pour qui ça nous là? Oui, et qui j'en absorbe. Justement. Et puis vous nous consolidez tout ça, nous gagnons comme à qui? Exact. On retourne sur le point ça après pause là. Et d'ailleurs, l'état important pour dire pour nous, donc pas plus tard qu'hier dimanche, moi, quoi que la police nationale recevra une dizaine de blindés. Ajouter à ça que recevoir déjà et à ça que tu as gagné déjà. Dans l'équation, pas tellement parler de l'armée qui est sur place aussi et qui probablement en temps de crise, en temps de crise, t'as doué un coup de métro. Non pas les 2500 ou 3000 hommes de la force étrangère, mais on va parler de ça qui est déjà dans la police elle-même. On ouvre ça après le tournant et après pour cela. Pas de problème. Pendant qu'il m'a rappelé que nous très contents et échanger avec vous, lieutenant Paul. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce type de blindé correspond à réalité panoramique. Et pour qui ça c'est ça, nous gagne, c'est pas. Des chars d'assaut à proprement parler, tant que des engins à chenilles que nous connaissons. Par contre, nous avons bien. Et pour que ça, c'est ça que nous gagnons et que ce n'est pas l'autre. Alors que moi, ça m'a regardé, moi, yo impressionnant, certes,
Mais moi, je me rappelle quand même, ça nous a gagné, que nous avons acheté dans le Canada. Yo. Ah, au Canada, ok. Mm-hmm. Bon, et merci pour la question. Je m'a rapidement dit que normalement, char d'assaut, je suis surtout utilisé dans des grands espaces, c'est-à-dire sous des fronts, pour simplifier les choses, pour les gens qui suivent le conflit et qui gagnent en Ukraine maintenant. Donc, ça veut dire dans les vastes steppes ukrainiennes. Donc, c'est normal qu'on fasse la cavalerie blindée à pas avancer parce qu'il y a un espace pour ça. Mm-hmm. Et puis, nous sommes capables de prendre tout et dans la guerre au Moyen-Orient avec Israël et Gaza. L'Israël a rentré dans la bande de Gaza, il est rentré justement avec des chars d'assaut parce qu'il gagnait plus ou moins des espaces malgré. Même que... avec Desert Storm et opération Tempête du désert. Tempête du désert, exactement. Yeah. Donc ça veut dire là, on va avancer dans des grands espaces. Mm-hmm. Là, nous avons une situation côté que nous avons intervenu en ville. Ça veut dire un char d'assaut, déjà avec un tourelle et puis un canon qui est très long ou un angle mort. Qui pas permettre que ou viser dans petit espace et la difficile pour manœuvrer. Et donc ça veut dire sous gain des combattants qui compétents, yo capable mettre li comme si hors de combat facilement. Ça veut dire li yo rend inutile. Mm-hmm. Donc dans situation de conflit à l'intérieur des villes, donc li préférable qu'on gagne des véhicules de combat d'infanterie qui permettent que ou traverser pour mener et soldats sous champ de bataille là et leur arriver pour yo descendre pour yo combattre, mais en même temps tout gagner des véhicules de combat d'infanterie qui en plus de transporter troupes là, ils servent d'appui feu. Ça veut dire li mettez troupes là qui a progressé à terre mais li camper à une distance suffisante pour li localiser et poche de résistance que le tiré sur directement. Ça veut dire qu'il servit d'appui feu. Mm-hmm. Parce qu'il pas qu'à avancer plus loin. Parce que l'eau après entrer dans le corridor, ben là, il est obligé de camper. Et en plus, nous, bon, ça c'est pas un poule que nous avons, parce qu'il y a des bails qui nous ont fait déjà. C'est que nous rendons compte que si monsieur qu'on qui gens pour piéger, comme si le village de Dieu il creusait des tranchées, une fois que la machine et d'ailleurs la blindée a tombé là-dedans, il est difficile pour le remonter. Mm-hmm. Donc c'est différence là en même temps tout. Mais ça c'est l'Europe fait une opération qu'on pas calculé véritablement parce que là au moins on va supposer voir un seul char. Oui, bien entendu, mais en même temps tout c'est que véhicule blindé hein, c'est que faut gagner soldat au sol. Mm-hmm. C'est que parce que angle de tir qui possible en dans véhicule là, c'est pour un adversaire qui est éloigné, si mon n'est prêt. Donc, ou pas gain et pour deux en dedans véhicule là étant pour tirer sous lui. Mm-hmm. Donc, qui vient fait que si ou pas et sous pas comme tu as dit ça là, gagner des soldats qui au sol qui a progressé avec et véhicule là. Il est capable servir de bouclier même, c'est-à-dire mm-hmm. pendant qu'il a pas avancé si on tire et si gain des tirs et nourri sous lui, capable prendre et refuge. Et des blindages, mais il faut un soldat qui est au sol. Mm-hmm. Donc ça veut dire, véhicules qui là, c'est des véhicules qui sont très adaptés. Mais le problème, là, et m'a profité de dire, c'est que le problème est plus complexe que ça. Il demande plus qu'équipement. Mm-hmm. Il demande équipement, il demande des hommes, il demande des compétences, mais aussi il demande tout un pensée stratégique. Et nous pourrons peut-être, dans la continuité de mission, on n'a pas capable de ça. Il demande comme si, parce que ça nous gagne là, lycée, on sort de insurrection. Mais généralement, insurrection, c'est lorsqu'un groupe de monde qui a lutté contre un gouvernement pour renverser, pour prendre pouvoir. Alors que selon moi, je ne pas penser que ti monsieur a gagné l'idée de prendre pouvoir. Mais par contre. Je suis content de dire que tu as dit que tu oui. Je suis content de te dire que faut remonter sur la table, il faut discuter. Ça, c'est autre chose. Moi, même quand il y a un leader politique qui dit que. Ça, c'est autre et même au moment conseil, on dit le tout. Attends. Non, ça, c'est autre chose et peut-être nous allons arriver là. Monter sur la table à discuter avec Vin prend pouvoir, c'est deux choses différentes. Mm-hmm. C'est deux choses totalement différentes. Ça veut dire, c'est que si vous voulez monter sur la table là, on n'a rien doit même dire. Négocier. Justement, c'est peut-être même on bagaille légitime pour eux parce que eux gagne pas vle pour traiter eux comme acteur. OK, mais même prend pouvoir, m'pas penser pour la simple et bonne raison que prend pouvoir veut dire que prend tout problème pays qu'on a eu pour résoudre.
on ne peut pas penser comme si... Il y a une possibilité ça? Non, ce n'est même pas possibilité. Personne ne va vouloir. Il y a même... plus facile de contester et autorité de l'État. Ça permet que vous gagnez de l'argent, vous faites des choses. Et faut dire tout, ça permet que vous existez socialement. Parce que il y a des gens là comme si le pays a, dans une certaine mesure, pas de bail ou rien comme et avenir. Je vous dis, ils sont quelque chose. Donc, même si c'est normal, nous parlons de eux, mais nous parlons de eux chaque jour. Donc, ça veut dire socialement, ça permet de exister. Donc, il faut nous garder et problème dans un sens, ça a tout. Et c'est ça que fait nous, c'est tout en réflexion stratégique. Parce qu'il y a des problèmes qui cumulent, des problèmes historiques, parce que c'est Konrad Adenauer qui dit ça. Il dit l'histoire, c'est la somme des choses qui auraient pu être évitées. Lors compiler des bagages et pendant toute l'histoire qui ont un résultat, ou pas qu'à résoudre uniquement avec des hommes, des contentieux historiques, des malentendus historiques. Bien sûr, les armes seront nécessaires. C'est ça que je veux dire. Est-ce que quand même... Mais il faut gagner d'autres initiatives. Est-ce que quand même, il faut penser aux armes et ces initiatives-là que vous évoquez, qui sont à douiller? Bon, et... Là, nous avons une réflexion stratégique, là, pas vrai? Bien sûr, bien sûr. Okay. C'est-à-dire, la première chose, c'est que moi-même, nous pourrions aller dans l'autre concept que je pensais que élite politique l'un doit faire appel à lui, c'est la patience stratégique. Bon bagay nous remet dit et qui c'est vrai, c'est que le peuple haïtien est un peuple résilient. Donc justement, mais c'est une qualité, mais son qualité qu'on a gaspillé. Parce que la résilience, son capacité qui permet de résister à des chocs terribles sans qu'on pas fléchi. Mais en même temps tout résilience là, li pa bo on garanti qu'ou pa fléchi, c'est que bon après ils vont là ou pas atteindre limite tout, limite c'est pas fatigue ou pas atteindre la rupture. Donc nous pas qu'à sans cesse à évoquer la résilience du peuple haïtien sans que nous pas transformer résilience ça en patience stratégique. Qui ça me les patience stratégique, ça veut dire population en bonne possibilité, le fait que li capable encaisser, li ban nous possibilité pour nous planifier sur le temps long. C'est-à-dire pour nous pas dans l'immédiateté comme si font bagaille là on saupoudrage et puis pour nous penser de résoudre un problème qui va ressurgir avec plus force et quelques temps après. Donc le fait que peuple a bon li encaisser couyo yo fait le mal mais li rete là. Donc cette résilience, alors ça pas une possibilité parti yo. Non, même ça parti yo yo une résilience dans tout. Attention, c'est que sous garde diaspora haïtienne non, pas qu'a dit yo pas dans résilience non. Au contraire, yo contribue à la résilience. C'est que leur déplacé yo continuer supporter famille yo continuer aider pays ya. Non mais yo très impliqué. Nous cap pour juste pour exemple dans canal et wana mettre là nous garder volontarisme qui t'est développé la caillou. Donc ils font partie de la résilience, c'est-à-dire yo a résisté. Donc l'organe cette résilience, donc nous supposer transformer résilience ça, c'est-à-dire pour nous profiter de lui pour nous développer la patience stratégique, la patience. Parce que si wap andi et ouchita temps passé ou pas gagner à planifier. Donc, ou laisse ou pas utiliser la patience, ou pas perdre du temps. Parce que le temps a écoulé, ou pas faire rien. Mais si le temps a écoulé, ou pas encaisser des coups, ou dans une situation d'incertitude, mais il y a quelque chose qui se planifie avec froideur, avec et méthode, et que vous dites tout, à l'horizon de 5, de 10 ans, de 15 ans, même si long, même si entre temps, il y a des gens qui ont mouru, même si entre temps, il y a des bagages qui ont crasé, mais au bout du compte, nous avons résolu le problème. Donc ça, c'est ça que la patience stratégique que nous transformer, que population en bonne possibilité ça. Parce que résilience que le gagne. Moi-même, on a dit ça, c'est que peuple haïtien, c'est peut-être un rare peuple qui gagne à la fois capacité pour encaisser comme ça, sans que l'IPA projeter violence ça sur nous. L'encaisser, l'IPA projeter sur nous, parce que ou bien est-ce que ce n'est pas bon moment pour arriver tout? Peut-être, mais ça veut dire tout que résilience là a assez grande capacité ça. Parce que, je vais le dire, en 1994, Rwanda, dans l'espace 4 mois, près de 1 million de monde mourit. Avec des armes blanches, c'est-à-dire machettes, couteaux, à peine peut-être si tu as des armes à feu, c'était des petits revolvers. Près d'1 million de monde mourir dans l'espace 4 mois. Tandis que là,
nous avons des moyens industriels pour faire la violence. Même si on a regardé des modèles fusils d'assaut, modèles ZAM qui gagnent dans le pays là, si la population en lui-même était violente, ça veut dire que nous avons plus de moyens pour nous faire. Donc ça veut dire que nous avons dépassé les millions de Rwanda. Ça veut dire que la population s'est encaissée sans qu'elle ne pas projeter violence là. Parce que le TAC a projeté. Bon, pour un exemple avec vous, on prend exemple Salvador là par exemple. Très bien. Il y a des gens qui pensaient que, d'ailleurs, on dit tout à l'heure, il faut. On aura quand même besoin des armes, mais au côté des armes, il faut penser à des mesures. Oui. Bon, je ne sais pas la situation Salvador là. Seulement, il y a des nouvelles, mais ça qui a passé dans Salvador, c'était vol, viol et autres. Ça me connaît, que le président est pour mettre la présoute problème, non? Entre autres mesures que je connais, que le prend, les faire construire prison. Est-ce que c'est pas le même schéma, nous pas qu'à passer par là non plus pour nous résoudre? Est-ce que situation totalement différente puisque on a parlé de gangs, de entrepreneurs, de violence, quel que soit pays, bon, c'est la même noir. Bon, il dépend de catégorie, hein, parce que justement, dans ça nous là, c'est que peut-être pas gagner tout détail sur situation Salvador là, mais situation que nous avons là. Des groupes qui prennent en otage la capitale, qui créent des menaces sous le centre du pouvoir au palais national, qui créent des menaces sous l'aéroport international. Je pense que nous sommes dans une situation ça au Salvador. Naturellement, il y a la violence dans les quartiers, etc. Donc, qui maintenant, ça nous gagne là, c'est que son mélange, dont, et c'est ça que je me dis, son cumul historique qui mène nous là. Ça veut dire, nous gagnons des mélanges de groupes d'opposition, des groupes criminels, des groupes communautaires, des gangs territoriaux, et même par moment, nous gagnons des groupes armés pour gouvernement. Ça veut dire, donc, son mélange et de plusieurs éléments en dans un contexte de violence interne, qui traînait tout, j'aime te dire, la contentieux historique, etc., qui des fois, parce que ça me voulait nous comprendre tout, c'est que dans le discours de certains et hommes armés, il y a des points que vous soulevez, que c'est des points que nous connaissons, mais puisque nous ne pouvons jamais résoudre, qui permettent que vous accentuez sous lui, que c'est la misère qui gagne dans le quartier populaire, etc., etc. Donc, parce qu'il faut nous poser peut-être nos questions, tout, comment faire jouer toute main d'œuvre ça? Parce que nous avons des bandits à droite, bandits à gauche, mais ils ont chargé main d'œuvre, c'est-à-dire, quelque part, gagner un factory qui a créé et comme si qui d'ailleurs doit dire gagner des bras qui disponibles pour le travail là parce que ils ne sont pas attirés ailleurs. Donc justement ils ne sont pas attirés ailleurs, donc là on leur donne la possibilité d'exister, il y a même gain des salaires, etc. Donc ça veut dire, donc maintenant faut, pour entrer dans le schéma ça, c'est que faut qu'on comprenne logique là. Maintenant, pour nous tourner sur les armes, parce que ça me veut qu'il est clair, l'État, c'est un système de contraintes. L'État n'a pas existé sans la force. Mais l'État, tout, il n'a pas existé sans la persuasion. Parce que si l'État n'a pas une capacité pour le convaincre, monde, parce que la force, c'est le dernier recours. C'est que faut que la force soit disponible, c'est ça, il y aurait les, même dans le langage géopolitique, on parle de hard power. Ça veut dire, par exemple, on prend à l'opposé de soft power. Justement, les Américains comme grande puissance, c'est que oui, ils ont la puissance militaire écrasante qui est capable d'assommer n'importe quel adversaire, mais attention, ils ont aussi le soft power, c'est-à-dire on aime l'Amérique, on aime sa culture, on aime et donc il y a l'autre possibilité pour la tiro qui vient faire que on balance. Et la meilleure chose, c'est que ou joigne un dosage, un bon dosage dans la situation où il y a là, entre le hard power et que le soft. Que nous pas gagnons. Justement, et le soft power que nous pas gagnons tout. Que nous pas gagnons tout, yeah. Parce que justement, il faut que la population reprenne confiance dans la société, il faut reprendre confiance dans l'État. Parce que. Et c'est le challenge le plus important. Mais absolument. Donc ça veut dire, pendant que nous avons renforcé la capacité de coercition, il faut renforcer la capacité de persuasion. Parce que plus on va utiliser la force, plus ça veut dire, plus on est faible. Parce qu'en général, gon puissance qu'on gagne en gagnant, ou pas besoin d'utiliser l'encore. Donc maintenant, c'est convaincre ou convaincre. Donc, ça veut dire, plus ou obligé d'utiliser la force, ça signifie que gon très grande faiblesse.
C'est peut-être une question que l'auditeur est capable de dire que nous ne devons pas poser en public. Mm-hmm. Mais on va laisser quand même Mandoli. Sans état d'âme et sans pudeur. Tout à fait. La WAP dit nous que avant même que l'étranger a commencé à arriver en Haïti, nous avons supposé commencer à faire réflexion. Alors, je parle des décideurs. Tu as dû engager des réflexions stratégiques. Très bien. Et en même temps, nous t'as dû pas trop compter sur l'étranger pour venir résoudre le problème pour nous. Parce que le gros du problème doit être résolu par nous autres Haïtiens. Absolument. C'est comme ça que nous comprenons. Oui. Première chose, c'est que la réflexion stratégique, elle doit être primordiale. Parce que. Je dis à même. Justement, parce que pour qui ça? C'est stratégie qui est opérationnelle. Ça veut dire que je ne suis pas capable de stratégie. Et puis, il y a des hommes sur le terrain, ça a fait. Qui objectif? Parce que justement, l'objectif, c'est là où fin définit l'objectif. Voilà mes objectifs. À court, à moyen et à long terme. Donc, fin établi l'objectif. Maintenant, quelle est la stratégie pour atteindre ces objectifs? Donc, je définis stratégie. Et puis maintenant, quelles sont les mesures opérationnelles qui j'aimerais implémenter stratégie sur le terrain? Est-ce que ce n'est pas travail ça que le Conseil national de sécurité qui a annoncé qu'il va l'implanter? Est-ce que ce n'est pas travail les boules d'affaires? Bien entendu. Par contre, moi, je voulais soulever un point, c'est que la réflexion stratégique que nous avons parlé là, premièrement, c'est un travail qui doit incomber toute la société. Elle me dit toute la société, elle me dit les forces vives. Pour qui ça? Parce que, en pile fois, nous pensons que un gouvernement monté, pardon, d'une manière ou d'une autre, soit par élection, soit par un consensus, etc. Maintenant, on se croise les bras, on attend le gouvernement au pied du mur pour lui délivrer. Ben non. Or, dans la situation où il est là, on a parlé d'effondrement de l'État, c'est que nous pas qu'à remettre nous uniquement. Et même gouvernant et tout, il doit retourner à la société. Pour gagner. Parce que n'a pas parlé de restructuration de l'État. C'est-à-dire. Donc là, on peut comprendre que même si l'État s'est effondré, mais au moins la société. Justement, la société est là. Et c'est ça. Pour moi, nous supposons battre pour ne pas perdre. Parce que gagner trois niveaux, c'est que si l'État est effondré, la nation est effondrée et les liens sociaux sont brisés. Donc, il n'y a plus rien à faire. Emmanuel Paul, imaginez par exemple que nous avons des auditeurs décideurs ou bien des téléspectateurs décideurs. En nous pensant par exemple à quelques catégories, l'armée, la police, qui l'a. On a aussi le gouvernement, nous avons quand même un premier ministre intérimaire, un conseil présidentiel qui l'a tout. Monsieur, ça vous a dû faire aujourd'hui là. C'est-à-dire que supposons qu'il y a tant de nous là. Ça vous a dû faire aujourd'hui là. Bon, pour que ne pas répéter les erreurs du passé. Bien voilà. Sûr. Pas gain prétention comme si Bayo conseil dit mais ça pour faire. Je pense que c'est des gens compétents. Ils peut-être gagner des plans et déjà. Mais la première chose que je me l'ai dit c'est que pour la police et l'armée là nous avons un échelon opérationnel. Donc, nous avons un échelon opérationnel, la police, lui là pour mener une opération, pour lui aller à droite, à gauche, et faire des opérations pour lui essayer de contenir le problème, non, le cas échéant, résoudre lui, si ça a la capacité. Il en est de même pour l'armée. Tandis que cette réflexion globale, cette réflexion stratégique que nous avons parlé là, lui aller au-delà des institutions opérationnelles. Lui aller dans la réflexion, c'est-à-dire, j'en ai dit au commencement, c'est que je dis, qui ça t'a capi bon, c'est son des problèmes là que me pensais y a fait, mais essayer aller le plus que possible pour ne pas arrêter dans la suffisance, c'est-à-dire bon, ok moi connais etc. Donc faut nous aller en crasse pillage pour nous comprendre la situation, parce que là gagner des aspects sociologiques qui anthropologique, comme si, qui mandait pour nous sonder de manière plus profonde. Et l'autre barème, je dis tout, c'est que si monsieur et Azamio, au moins, bah, nous
habitude ça. Tendez-vous les parler. Ah, si ça a un petit j'en parle, c'est bizarre, mais il faut entendre. Parce que si vous avez un adversaire en face, ou pas tendez, il a toujours surpris. Il a toujours surpris. Il faut tendre. Est-ce que c'est parce que il y a des annonces qu'on fait et puis on passe de la parole aux actes véritablement? Bien sûr. En plus que vous faites des annonces, que vous passez de la parole aux actes, mais en même temps, tout, en général, l'autant dans le monde, vous comprenez plus ou moins le fond de sa pensée. Ou capable d'anticiper sur certaines choses. Même là où on a bien menti, il est important qu'on entende. Parce que justement, pour un monde bien menti, si pour un monde bien menti consciemment, son vérité l'a détourné. Ça veut dire, sous prendre ça, on entende, ou capable de remonter même à une partie dans la vérité. Oui, parce que il y a des mots qui ont échappé. Justement. Il y a des gestes qui ont fait. Donc, ça veut dire, comme si, faut nous prendre un problème dans toutes dimensions. Et, faut que. Comme tu as dit ça là tout, c'est que pour premier bagage, c'est que l'autre bagage encore pour nous signaler, c'est que dans la décision pour prendre, il faut nous aller vers une réforme du secteur de la sécurité en Haïti. En général. Bon, oui, parce que je dis, hein, et nous parler des armes, nous parler des moyens logistiques, mais il faut aussi parler des hommes. Mm-hmm. Et quand je dis les hommes, c'est que premièrement, les hommes en quantité. Mais aussi les hommes en qualité. Parce qu'il faut nous dire combien, il faut nous design force de sécurité nous par rapport à problèmes qu'on fait face. Par exemple, nous, en 2015, dans le livre blanc qui était sorti, et puis bon, c'est un travail assez louable que le ministère de la Défense a fait, et puis bon, en tout cas, ça fait 9 ans, bah, j'ai entendu parler de lui encore. Et généralement, les documents, ça, c'est des documents que vous reprenez, dépendamment de pays, dépendamment de situation, chaque 3 ans, chaque 5 ans. Ça veut dire qu'il faut actualiser. Il faut nous garder, mais qui problème nous fait face? Qui type de force que nous avons besoin? Nous sommes un pays qui est en portion de 11 îles. Donc Haïti, pour contre, sont presque îles, parce que puisque nous séparés avec Saint-Domingue, nous avons 9 départements qui côtient. Ça, il est capable d'avoir une idée de quel type d'armée que nous avons besoin. C'est-à-dire, qui composante dans la force là qui est important. Nous avons 360 km de frontières. Donc, qui problème nous fait face? Il faut nous faire une analyse de risque sous pays. Ça, c'est un bagage que les financiers ont fait très bien. Ça, c'est un bagage que les gens qui sont dans l'organisation ou bien dans l'entreprise ont fait. C'est-à-dire, quels sont les risques? Quelles sont les menaces et quels sont nos points de faiblesse? Et l'OFIN fait analyse de risque, ça. Donc, la permet ou dit, eh bien, mais qui ça me besoin comme mesure d'atténuation, mesure pour me résoudre le problème, ça. Donc, et ça, c'est pas un document, c'est pas un bagage qui doit dans les tiroirs, c'est un bagage qui doit public. En général, les livres blancs de défense de sécurité dans l'autre pays, ils sont publics. C'est-à-dire, tout le monde connaît, voilà, mais qui côté nous aller. C'est-à-dire, si nous avons là, mais quelle sera la doctrine? Qui doctrine la mer, qui taille que n'a bali, qui composante que n'a estimé plus important que d'autres. Est-ce que c'est la marine, parce que nous avons 9 départements et côtiers. Donc, est-ce que c'est les forces terrestres, etc. Donc, ou bien tout. Donc, il faut une réflexion qui est faite sur ça. Réflexion, ça a libéré le dépend oui, de. Mais là, nous avons passé toute vie à réfléchir. Lieutenant, alors que vous avez des urgences, l'urgence, c'est ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Hein? Bien sûr. L'urgence, c'est quoi? C'est que, premier bagaille, je pense, faut nous, pendant la réflexion stratégique là, à fait, et c'est ça que je me dis, il faut gagner des objectifs à court, moyen et à long terme, c'est que je pense gagner un signal qui vous baille. Au niveau des décideurs. C'est-à-dire, ils me disent un signal, ça veut dire que, OK, c'est à eux-mêmes qui décident, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent. C'est nos pieds au soulier à eux. Pas qu'à dire, mais ça peut le faire, loin de là. Donc, c'est eux pour qui, par rapport à la situation, qui dit OK, voilà la situation, et voilà qui ça nous a fait immédiatement. Qui pour créer en première, et qui pour créer les premières conditions, et puis qu'on y a pour être capable. Gain le temps. Ça, c'est objectif à court terme. Justement pour avancer. C'est-à-dire, il faut que bon bagaille qui fait. OK. Bon, et M. Paul, c'est ton plaisir. Oui, pour me dégainer là.
Bon, plaisir à te partager. Je me rappelle Mounio qui était avec moi la matin. C'est un lieutenant, gradué lieutenant, spécialiste de génie militaire dans l'école en Équateur, à Quito, qui est l'Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. J'espère que je me dis bien. Mon gars a passé 7 ans après travail dans le ministère de la Défense, surtout dans le corps génie. On fait des études de post-graduées dans l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques de Paris, en partenariat avec l'Université Bretagne Occidentale. On complète un diplôme d'analyste en stratégie internationale, option défense, sécurité et gestion de crise, ainsi qu'un master en administration publique spéciale, sûreté, urgence et sécurité. Et je dis, hein, c'est l'organisation internationale humanitaire qui a fait écoute dans l'analyse qu'on fait sous question sécurité. Petite question, réponse tout court. Vous parlez pour bailler l'autre coup de main dans l'urgence qu'on a géré là en Haïti? Bon, et ça dépend. Bah, honnêtement, je n'ai pas une réponse exacte à la question. Ça, ça dépend de qui est qui est l'eau, ça dépend de qui est qui est l'eau. Et ça dépend de qui ça m'a pour me faire. Ça dépend de ce que vous faites. Yeah. Merci en pile. Kemela, bonne chance et n'a continue à parler. Merci et à tous auditeurs et téléspectateurs qui t'attendent nous et merci à ou monsieur Théodore pour l'opportunité ça au Tébanon pour nous parler avec les sociétés à sous situation épineuse ça que n'a traversé. Vous avez suivi madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le lieutenant Emmanuel Paul était l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir. Qui marque souscrire, mais ça c'est espagnol. Si tu es en anglais, tu as marqué subscribe. Si tu es en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Lorsque tu cliques sur le lien, tu as une petite cloche de bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, tu as une abonné automatiquement par sous première option. Tu as une flèche là sur deuxième option. Retire la flèche là sur deuxième option, mettez-la sur première option que c'est tout. Ça veut dire, chaque fois que je monte une vidéo, vous avez besoin de notification. Et puis, pas oublier, là, vous avez un like en bas de la vidéo.